And I want everybody to join me as Cameroonians. Afrique TV, un plaisir, un honneur. Une fois de plus, nous vous revenons avec une grande figure, une grosse figure d'ailleurs, de la politique et du ministère, le gouvernement camerounais, celui qu'on ne présente plus. Bonsoir, Excellence. Un privilège de vous avoir parmi nous. Afrique, mon Afrique Télévision, nous sommes basés dans l'État du Maryland et nous sommes pour la diaspora africaine en général. Bienvenue aux États-Unis, mon ministre. Mon plaisir est immense de me retrouver dans ce très grand, très beau pays. Nous avons le privilège d'avoir été invités par un très grand président qui nous honore, nous Africains, parce que n'oubliez pas que c'est le premier président dont les origines sont africaines. Et c'est extraordinaire que ce soit le premier qui invite tout le continent à ce grand rendez-vous. Le privilège est immense. Merci de me donner l'opportunité de m'adresser à la diaspora camerounaise à travers vos télévisions. Mais nous savons que tout a été dit ici, Excellence, mais nous voulons maintenant nous adresser particulièrement à la diaspora camerounaise qui suit très souvent Afrique, mon Afrique TV. Les gens ont des petites, complaintes quand ils vont au Cameroun. Ça veut dire qu'ils se plaignent des petits trucs. Ils disent qu'ils arrivent au Cameroun, la vie les est difficile pour s'intégrer. Ils essaient de faire des affaires, tout est compliqué. Ils sont obligés de revenir ou d'aller s'installer ailleurs. Nous avons eu quelqu'un qui nous a parlé d'un dossier qu'il a amené au Cameroun l'année passée, qui devait créer dans les 2000 emplois. Et seulement l'agrégation de terrain qu'il avait demandé lui a été refusée. S'est installé en Afrique de l'Ouest. Nous ne savons pas la crédibilité de ces informations. Mais aujourd'hui, face aux Camerounais, vous leur dites quoi? Un message à la diaspora camerounaise? Qu'est-ce que vous leur dites en tant que ministre pour ceux qui aimeraient revenir au Cameroun investir? Je leur dis d'abord qu'ils n'oublient jamais que nous sommes une très grande et une très belle nation, probablement l'une des plus grandes et les plus belles qui soient au monde. Je suis désolé que notre compatriote qui voulait investir dans notre pays fût confronté à un problème pour lequel il n'a pas trouvé de solution. En ma qualité donc de ministre de la communication de la nation, j'annonce également que je suis un facilitateur. C'est-à-dire que chaque fois qu'un de nos compatriotes venant de la diaspora, et parce que le chef de l'État appelle de toutes ses forces, de tous ses voeux, le retour de ces compatriotes qui détiennent à la fois savoir, savoir-faire et également de potentiel économique et financier, il leur demande donc de revenir occuper leur place pour être des bâtisseurs de notre nation. Alors chaque fois que l'un d'entre vous sera confronté à un problème pour lequel il ne trouve pas de solution, eh bien qu'il passe voir le ministre de la Communication. Je m'engage à être le facilitateur, je m'engage à être le go-between, je voudrais donc être le facilitateur qui leur permettra effectivement de trouver dans leur propre pays ce qu'il faut pour qu'ils s'épanouissent économiquement et pour que chacun d'entre eux apporte sa brique dans la construction de notre nation. Oui, Excellence, vous allez me permettre, je vais avoir l'audacité ici d'affronter quelque chose de très délicat en une minute. Nous sommes confrontés dans toute l'Afrique subsaharienne et Ouest-Afrique à ce problème d'insécurité et puis les Camerounais de la diaspora sont également concernés parce qu'ils se disent s'il faut venir en Afrique demain et qu'ils ne sont plus en sécurité dans leur pays, le Cameroun en particulier, dont nous parlons ici. Les mesures prises par le Cameroun, nous savons, le président a pris des mesures pour éradiquer le problème Boko Haram qui est en train d'arriver au Cameroun. Mais si vous pouvez dire un mot à propos de ça en tant que ministre, pour nous rassurer, vous nous dites quoi? Je dis donc à nos compatriotes de la diaspora que le problème de Boko Haram n'est pas un problème camerounais. C'est d'abord un problème nigéro-nigérian. Le Cameroun n'est qu'une victime collatérale de cet événement.
Mais je voudrais les rassurer en leur disant que ces cinq nations qui sont confrontées à ce problème, le Bénin, le Niger, le Tchad, le Nigeria et le Cameroun, toutes ces nations ont décidé donc de mettre en commun, de mutualiser leur savoir-faire, leurs armées, avec l'appui des grandes puissances que sont les États-Unis, l'Union européenne, la Grande-Bretagne, la Chine. C'est l'ensemble donc de ces nations, plus le soutien qui nous vient de ces grandes nations, qui inexorablement et incontestablement viendra à bout de cette secte violente, extrémiste, qui veut nous imposer le rétropédalage civilisationnel. C'est simplement, it is a matter of time. We are convinced that we will get rid of them. Don't worry, believe me. Thank you very much. Merci, excellent, pour votre interview et bienvenue aux États-Unis. You're welcome.